Ça va, tu vas Iskio. Sois là, salut les gars. Salut les filles, ça va ou quoi? Et toi, frérot? Tu fais comment pour tes dreads? J'ai appelé
c'est pour ça que je fais plus les crayons. Il y en a plus. J'ai tous mes vues. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bonsoir, bonsoir. Attendez, 2 secondes, attendez. Ça peut mettre les écouteurs, les amis. Je me demande du coup, mon cher Pop. Max, comment tu vas? Ça va ou quoi? Hello, hello, how are you? Hello, Isabelle. Bonsoir, Erin. Comment tu vas? Ça va ou quoi? Noéline. Hola, espagnol. Bonsoir, ça va ou quoi?
C'est merveilleux. On est combat à ce mec.
en famille, ok. Ok, allez, 54, 57, 56, pardon. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait ça. Oh, ah, je vais me couper. Ah, ça dégage. Rends les gens comme ça.
ça, vous irez un petit duo avec Monsieur Arnaud de une vingtaine de minutes, 20-25 minutes à peu près. Est-ce que vous êtes chaud? Non, oui, oui, non, oui. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Regardez. On va faire un sondage. Si vous êtes chaud, les amis, le smiley qui sourit. Si vous n'êtes pas chaud, que vous voulez pas, le smiley qui pleure. Ok, let's go. Est-ce que vous êtes chaud pour qu'on fasse un petit duo avec Arnaud? Et là, et alors oui, c'est le smiley qui sourit. Et non, c'est le smiley qui pleure. Et c'est tendu de ouf. Merci pour les roses. Mais gardez-les. Si on fait un duo, gardez les roses. Merci Arc-en-Ciel, merci l'ami. Attends, c'est tendu de ouf. J'allais être sûr que t'allais être mort de rire. Non, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je le fais avec ma femme. Viens, je te présente. Voilà, Julie. Et bonsoir. Elle découvre les trucs que je fais. Du coup, elle explose de rire parce que je dis, regarde, je coiffe des cheveux. Le roleplay brosse à cheveux, ça a terminé là.
brunette et bronzant les cheveux comme ça là. Et elle a éclaté de rire, presque en tombée de la chaise. Elle s'attendait pas que je fasse ça en fait. Le vent est hyper fort chez moi. Ok. Ah ouais. Je suis la femme de Mike, je suis dans le côté des lives. Quoi pour toi? Non, c'est bon. Thank you.
Cheval, non?
Je sais pas, je l'ai eu dans un guide. On dirait pour l'enfer. Non, non, c'est du poil de sanglier. Oh, merci pour le panda. T'as la même pour les chevaux. Ben, c'est à peu près ça, mais en petit. Désolé, la pluie, j'ai déjà fait. Elle m'a tout viré, elle m'a enlevé tout mon... Elle m'a enlevé tous mes équipements, quoi. Du tapping. Ben ouais, mais je voudrais le bout de bois, mais elle a tout viré, quoi. Ma femme. J'ai pas changé. Je pense qu'elle va atteindre des 50 millions bientôt. C'est abusé. La première vidéo ASMR qui pète, c'est même pas de l'ASMR.
acoustique un peu. Ouais, le truc il est en rupture. Ouais, non, je vais arrêter de faire ça. Ouais, Justine, c'est fou. Jamais j'ai cliqué sur moto. Ah ouais, bloqué. Activer le mute. Ah bah tu vois, je sais même pas que je pouvais muter moto. Alors normalement, je fais ça jusqu'à minuit. Pas. Oh putain, le sang. Merci Kevin, tu peux dire avec moi.
si tu fais 1000, j'alterne. Putain. Toi, tu fais jamais de bruit de bouche non plus. Moi, j'essaye des fois de temps en temps. Attends, 2 secondes. D'avoir une idée. Vas-y. Faire des ASMR avec des dreads, c'est... Vous connaissez pas ça. Non. Alors moi, si je dois sortir les poils les plus longs que j'ai de mon corps, c'est les poils de mon cul, je crois que ça va être compliqué. Ah, ça aussi.
Azar, il a été bloqué à un moment, j'ai vu. Ah bon, je savais pas. Et ça arrive aussi à Nate, le français là, qui avait 1 million d'abonnés, pareil, son compte il a été coupé. Oh merde, putain, c'est fou. Non, sinon, non. De temps en temps, il une vidéo. Aussi bloqué une fois aussi. Une vidéo, ouais, une vidéo parce que ouais. Je grattais mon pare-brise avec une hache. Ah, apparemment, c'était dangereux. Non, c'est des strikes aussi. Bon, c'est comme ça, ça arrive. Bon, chef. Eh ben, merci pour l'invitation, en tout cas. Avec plaisir. À la prochaine. J'essaierai d'être plus sage la prochaine fois. Reste le même. Ouais, ça fait, je changerai pas tout ça. Pensez à vous abonner à Mike aussi, les amis. Vous abonnez pas, vous abonnez pas. Restez chez lui, ici, il est meilleur. Allez, des bisous, à la prochaine. Merci, ciao ciao, à la prochaine. Ciao. Hop, allez, ok. Ok, les enfants, on se retrouve entre nous. On va partager pour un fou. 200 000, waouh, 200 000 likes, ça faisait longtemps qu'on n'était pas... qu'on n'avait pas été autant, 200 000, pas trop fatigué, en vrai un peu. Je commence à être un peu cramé là. Genre le sommeil m'appelle là. Je sais pas si vous le sentez, mais. Le dodo m'appelle, ouais. Surtout que c'est même pas un dodo, c'est genre une sieste de 3-4 heures que je vais faire. Donc c'est pas un dodo, ouais. Allez, j'ai le petit yeux, ouais. Bon, en tout cas, attendez. En tout cas, les amis, pour tous les likes, ça fait plaisir de. C'était super cool, merci à tous amis, ça a été cool. Merci pour le soutien, c'est super gentil. Merci à tous, désolé j'ai pas remercié tout le monde petit à petit, mais l'intention était là, merci à tous. Ok.
Lisa, sache que je n'y peux rien. Ce n'est pas un livre de qualité. Il a eu la flemme, je pense. Pourquoi tu fais plus de TikTok? Parce que j'ai la flemme. Est-ce que t'es un chien qui laisse pas rentrer le livreur? J'ai pas compris. Non, je pense que t'as pas un bon livreur, tout simplement. Il a eu flemme. C'était un appartement, c'était pour ça. Le colis, tu dois avoir une signature ou je sais pas. Après, est-ce qu'une seule fois, genre, il t'a appelé ou t'a sonné, t'as mis 40 ans à descendre? En général, quand tu tombes sur des gens comme ça, genre, il y a des gens dans la tournée, là où je livre, ils se démerdent pour aller chercher les colis au bureau de poste parce que, genre, la première fois que je suis allé, je sonne, le mec, je lui dis, je suis là, ok, il a mis 10 minutes à descendre. Parce qu'il venait de se réveiller. Frérot, tu mets un pantalon, un t-shirt, ça prend 30 secondes, tu descends. Il a mis 10 minutes. Deuxième fois, je lui dis, monsieur, voilà, votre colis, mais la prochaine fois, voilà. Faites un effort, genre, descendez. Il était 10h du matin, quand même, donc. Je descendais assez, un peu plus vite la prochaine fois. Oui, pas de soucis. Deuxième fois, je reviens, pareil, rebelote, je lui dis, écoute. C'est ça, dernière fois, c'est la prochaine fois, vous. C'est au bureau de poste, vous allez le chercher, là, vous serez réveillé pour y aller. Et puis il va aller chercher, il me dit, ouais, mais c'est bon, on est au bureau de poste, au moins tu éviteras de me réveiller le matin. J'ai bugué. Bon, Amandine, es-tu encore là? Les amis, vous êtes où là? Dites-moi, vous êtes en vacances? Vous êtes en cours? Vous êtes au boulot en ce moment? Qu'est-ce que vous faites de votre petite vie? Merci Aubin, ça fait plaisir, c'est gentil à toi. Qu'est-ce que vous faites les amis? Dites-moi un petit peu. Bonsoir Jojo. En arrêt de travail, en cours, chez toi, j'en ai d'abord, bien sûr. Job d'été, vacances, si on est bien, ça, semaine de révision du brevet, révision bac, stage, collège, arrêt d'emploi ITP, encore une semaine de brevet, après c'est vacances, bien ça, au lycée, vacances, stage, arrêt maladie, je suis dans tes rêves, ça non, ça c'est sûr. Va falloir que tu m'en mettes plus dans la tête pour que tu sois dans mes rêves, que tu sois dans mes rêves, ouais. D'ailleurs, hyper fatigué, oui, franchement, je suis en train de tomber, ouais. Je suis en recherche active d'une copine perse. Et moi, je te dis, bon, je suis ouf, ça y est. Ah, j'ai pas envie de savoir ça, Dini. J'ai pas ces choses que je ne veux pas.
pas savoir. Sinon, je t'envoie des photos quand j'y suis. Moi, quand je suis sur mon coin, bien, donc je mets bien. Stage d'expédition en Antarctique. Pourquoi vous dites n'importe quoi? Mais ça, t'es pas prêt de rentrer dans mes rêves. Hein. Va falloir me prouver ta valeur. Ou pas. Ou pas. Tu vois que dans ma vie, je suis livreur. C'est entre 50 et 75 que ça revient le plus. Ouais. 40 euros plus les frais de déplacement. On parle de quoi? Un cours à domicile. Ah mais on parle de toi. Aïe 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 aïe. Désolé les amis, 2 secondes. Hop. Allez, on va lui faire des bisous. Hein. Allez, des bisous. C'est un déplacement et du matos souhaité. Ouais, c'est vrai. Alors on va demander à la personne intéressée, celle qui m'a proposé, qui m'a dit que je suis intéressé, combien alors? Mais en vrai je sais pas. Hein. En vrai je sais pas. Est-ce que ce serait intéressant de faire ce genre de choses, genre d'aller chez les gens? Si elle a cherché. Sans aussi un massage en même temps. Un massage de quoi? Un massage des oreilles. Franchement, ça pourrait être grave un concept. Mais de ouf, Wendy, de ouf. Après, c'est bizarre parce que... Genre, c'est... Enfin, c'est bizarre, oui et non. Comment dire, genre... Faut être sur place, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça qui est plus compliqué. Ça, c'est plus compliqué. Ou sinon, est-ce que c'est un bon concept en soi, hein. Moi, je trouve que c'est un bon concept, mais est-ce que... vous ferez genre. Serais-tu visuel en direct? Ouais, c'est vrai. Est-ce que le mieux c'est de le faire en vrai? Ou sinon de le faire en mode. Comment dire? Genre en individuel, mais genre par exemple sur Insta. Genre on se met en vidéo Insta. Avec l'appui sur la personne, tout ça. Ah ouais, ce serait incroyable ça. Genre sur Insta, en gros, vous faites un visio avec quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? En visio individuel. Ouais, voilà. Donc, il s'est fini. Je suis sûr que c'est Mélissa. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas en réel. Non, en réel, pas à travers un écran.
changé de coupe. Ouais. Tu proposes les deux, mais pas même prix. Ouais, c'est vrai, j'en ai 630 avec du tapping et tout, une personne arrangée, des teintes et tout, c'est stylé. Franchement, de ouf. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde? Ils sont ailleurs, tout simplement. 20€ en visio, installeur, c'est raisonnable. 20€, ok. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Écoutez, ça pourrait être drôle en vrai. Ouais, voilà, c'est ça le lot. C'est que les gens ils sont un peu partout, quoi. C'est ça le truc. T'as raison. En plus, ça pourrait être marrant, ça pourrait être cool pour la personne qui le fait. Enfin, pas la personne qui le fait, la personne qui écoute. Tu pourrais grave débrosser dans le temps. Mais dis pas ça, Wendy, je vais te proposer sinon. Non, en vrai, ce qui serait cool, c'est que. Enfin, ce qui peut être cool, c'est que la personne peut demander exactement ce qu'elle veut. Vous voyez ce que je veux dire? Elle peut demander exactement ce qu'elle veut et on peut lui faire exactement ce qu'elle veut. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, si en premier elle veut la pluie, après elle veut, j'en sais rien moi, un massage crânien, après elle veut. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être super cool, ouais. J'avais pensé à faire ça. Enfin, bon, un jeu concours Insta, vu que c'est à 30 minutes gratuite. Ouais, pourquoi pas? Tu auras des codes promo, pas avec toi. Allez, c'est bien personnalisé. Mais je sais pas, franchement, j'y pense comme ça là maintenant, mais je me dis, ça pourrait être. Une trop bonne idée en vrai, non? Ça peut être cool. Je sais pas du tout. Tu imposes ton business. Ouais, j'impose. Je bosse. Et pas devenir un foyer jeune travailleur à Montauban. Et le faire découvrir dans un foyer jeune travailleur à Montauban. Montauban, c'est pas long en plus, je sais pas. Ah voilà, il y a plein de messages. J'aime les textes, sont marrants, décalés, fun. Vraiment, j'aime bien. Merci Matou, c'est gentil. Sur YouTube, il y a des vidéos, il y a de tout maintenant. Mais imaginons, on fait une vidéo personnalisée pour une personne. La personne, en gros, voilà, à ce moment-là, elle va rémunérer le créateur pour le travail qu'il a fait. Et elle demande exactement ce qu'elle veut. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, par exemple, elle va dire dans un peu comme un devis, je sais pas, elle va dire, ok, toi, en premier, tu vas commencer, tu vas faire des bruits de main. Pendant 30 secondes, tu vas le faire très doucement. Après, tu vas y aller un peu plus vite. Tu vas faire ça exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Après, tu vas faire l'océan. Tu vas y aller très très vite. Après, tu vas faire les boules. Et tu vas y aller très doucement. Et ça pourrait faire quelque chose. Genre vraiment un enchaînement de qualité seulement pour une personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être grave cool en vrai. Les ongles noirs. Oui, désolé, je travaille. Hein, j'ai les ongles noirs, oui. Et là, est meilleur que toi en SMR, je crois. Ah. Vidéo YouTube perso, en fait. Ouais. En gros, ouais. Avec un virement PayPal. Ouais, voilà. Ça peut être marrant, en vrai, ça peut être cool. Ah, tu as payé 10€ pour 30 minutes de vidéo personnalisée. Pourquoi t'aimes Mutuan? C'est pas moi, c'est toi, arrête de mentir. Mytho, bah. En vrai, les amis, franchement, ça pourrait être un bon délire. Ça pourrait être vraiment cool de faire ce genre de choses. Maintenant, est-ce que ça se fait ou pas? Il y a des YouTube au début pour te faire connaître de la TikTok. Mais on a des vidéos YouTube, mais en vrai, YouTube, ça m'a saoulé. En fait, les amis, YouTube, c'est relou à force parce que c'est vraiment, genre, pour moi, je veux pas vous mentir, pour moi, les gens qui font YouTube, c'est que pour l'argent. Maintenant, parce que il y a aucune intérêt, enfin, c'est pas pour l'argent, je dis, c'est très mal dit ce que je dis, excusez-moi, c'est très très mal dit. Mais genre, YouTube, c'est pour organiser, c'est un montage, et tu fais pas ça. Pour faire plaisir aux gens, tu fais ça pour de la, je sais pas, pour de la moulin un peu. Alors que les lives, c'est tellement différent. Genre, les lives, on est tous ensemble, on discute, on fait le truc en live, en kiff, tu vois. Enfin, vous voyez, donc, YouTube, pour moi, c'est vraiment devenu... Ouais, c'est un peu de la monnaie, quoi, ouais. Ouais, moi, ça me plaît plus, YouTube, hein, c'est pas mon délire. Ouais. Aussi, pourquoi pas des applis ASMR. Pourquoi pas, ouais, ça pourrait être cool. Pourquoi t'es pas certifié, tu mérites. Merci Lulu, mais je suis loin d'être connu, moi. Je suis un tout petit joueur. C'est bien, déjà, je suis joueur. Mais un tout petit. Bon, les amis. Oh, il est minuit. On va s'abandonner. Je pense que je vais garder l'idée. Et puis, ça fait tout en direct. J'aime parler avec les gens directement. Ouais, franchement, moi, je préfère parler avec les gens directement. C'est mieux, ouais. C'est mieux d'avoir une interaction, je préfère une histoire de SMR personnalisée. En vrai, je vais en parler à la demoiselle qui a vu
différents thèmes. Ouais, pourquoi pas. Mais on verra. Ça, franchement, je suis pas très doué sur ça. Mais par contre, l'idée de pourquoi pas faire des lives, entre guillemets, genre des pas des lives, un ASMR personnalisé, soit une vidéo personnalisée ou un direct personnalisé avec une seule personne, en gros, ça peut être grave intéressant, grave cool. Pour la personne, comme pour moi. Donc pourquoi pas. Reste à ton expérience. Nul. Bon les amis, je vais vous laisser. Il est minuit. Il est minuit 2. Je vais vous laisser écouter. On en reparlera. Je vais en parler à la demoiselle, voir qu'est-ce qu'elle en pense aussi. Je viens d'avoir l'idée, on ne sait jamais. Ça peut être cool. Ravi d'avoir été utile, au plaisir. Merci à toi. Au plaisir les amis. Franchement, si il y en a que ça intéresse, entre guillemets, dites-moi ça sur Insta. Envoyez-moi un petit message pour voir qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez une idée sur la chose, si vous serez peut-être intéressé. Pourquoi pas, j'en sais rien. Enfin, vous me dites. Une idée de Janino. N'appuie pas des lives sur un des sessions avec un petit abonnement. Ouais, pourquoi pas. On verra. Donc voilà, si ça vous intéresse, bah écoutez. Ou si vous avez des idées, si vous voulez m'en parler sur Insta, je répondrai à tout le monde avec plaisir. Vous avez les liens dans l'avion. Je sais pas comment vous mais trop de bruit. Laisse tomber, Max. Écoutez, on va s'abandonner maintenant. Il est minuit 3. Merci à tous d'avoir encore été présents ce soir. C'était encore un live super cool. On doit toi, Mélissa. Merci à tous d'avoir été présents. C'était un live super cool. Bonjour, Poppy. Je vous fais à tous des gros bisous. On se retrouve vendredi à 22h30 pour notre petit live quotidien entre nous. Alex, des bisous à toi. Dors bien. Merci à tous les donateurs de la soirée. Merci pour tout le soutien. Ça fait plaisir. Vous m'aidez beaucoup, beaucoup. Donc, c'est super gentil à vous. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez. C'est super gentil, super cool. Donc, merci. Merci à tous du fond du cœur. Ça fait super plaisir. Merci à Momodo d'avoir été présent encore une fois ce soir. Bisous tous les motos, je vous fais des bisous. Je vais pas faire le tour, je vais aller juste au lit tout de suite. Donc voilà, les motos comme d'hab. Des gros bisous. On se rappellera que Arturito a dit je reviens, mais il est pas revenu. On s'en rappellera ça. Bisous à tous, les amis. Merci d'avoir encore été présent, c'était super cool. Je vous fais des gros bisous, on se voit mercredi. Mercredi. Vendredi. Pour un petit live quotidien de 22h30 à minuit. Ok, des bisous à tous amis, merci d'avoir encore été là, je vous fais des gros bisous et écoutez, profitez de votre nuit, dormez bien, bonne journée demain, bonne journée.